après un échec à l'Airfield, je décide d'aller recycler, craft la T3 et passer vraiment aux choses sérieuses. On ne lâche rien et c'est parti. Après mon recyclage peu mouvementé, je décide d'aller tout de suite faire le puzzle à l'Airfield. Alors que j'aperçois une personne partir de l'airfield, je cours directement à l'EPP. Et oui, j'avais raison, il venait juste de faire l'airfield. Du coup, je rentre directement déposer tout ça. En attendant que l'airfield respawn, je décide d'aller rond. Bien sûr, toujours à côté de chez moi. Sans aucune personne trouvée, je décide tout de suite d'aller à la trainyard et ferme encore le strap pour la T3. Et je passe vite au recycleur. Tout d'un coup. Mon voisin a essayé de m'interpeller. Retenez bien cette action et retenez bien cette base.
Donc dès que je suis rentré, je décide tout de suite de passer à la T3. Il y a les roues, un peu. Donc je décide tout de suite d'aller prendre les balles explos et aller farm. Juste avant d'aller farm, je décide d'aller faire l'airfield. Alors que sur mon chemin du retour, la chance vient d'arriver. Désolé pour mon foot, je venais juste de me lever. Donc après ça, je décide d'aller encycler à l'avant-poste pour m'acheter un jackhammer et des gants. Pour ensuite aller raid. Mais juste avant, je décide d'aller build le top pour pouvoir tirer sur mes ennemis qui campent ma base. Et juste après ça, passe au moment de farm. Ok, j'ai tout craft, c'est bon, on va y aller. On va aller ici là, avant que Soy se lève. C'est parti. Ah, il faut vite que je le pète. J'aurais dû le péter tout à l'heure. Dommage. J'attends qu'ils partent. 1, 2, 3. Ouais.
peux venir. Ok, bon bah tant pis. Après le raid, je décide tout de suite d'aller room pour ensuite pouvoir aller PVP. Il m'a fait peur. Après mon room, j'aperçois une base avec un grand four qui est en marche. Je décide d'aller la camper tout de suite. Et la chance me sourit. Cette personne sort AK. Je réussis à le tuer. Et je rentre tout de suite. Et je décide, juste après, aller le raid. En essayant un raid on.
Et de plus, il est venu me camper. Je devais me dépêcher pour aller le raid. Et sans attendre, je décide tout de suite d'aller le raid en espérant qu'il soit connecté pour pouvoir faire un beau raid-on. Et c'est parti. Mais malheureusement, rien dans la base. Et malheureusement, il venait juste de se déconnecter. Donc c'était un raid off. Bien réussi. Un beau raid off avec beaucoup de loot et beaucoup de sulfure. Après avoir déposé le sulfure, je décide de prendre mon jackhammer et puis casser le mur pour aller dans son four. Malheureusement, il n'avait plus rien. Et puis je décide d'aller raid encore un voisin. Et comme je vous l'avais promis, je me rappelle de cette base. Et vous aussi. Malheureusement, lui aussi était déco. Deux raids off qui se passent très bien.
Encore un raid qui se passe sans counter. Wow, nice. Arrête très rentable au bout d'un canon et en toutes sortes de loot. Et je décide d'aller prendre mes dernières bikes clos et aller péter encore un voisin. En sachant qu'il avait beaucoup de portes de garage. Même si je savais que j'en ai pas assez pour le raid, je décide quand même de tout claquer. Puis après ce petit raid, je décide d'aller counter une personne qui raidait au lance-roquette.
Et voilà, après ce counter non réussi, je décide de me découvrir sur ce serveur. J'espère que cette saison vous a plu et cet épisode. Moi je vous dis à la prochaine. Peace. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison.